Ah voilà, normalement on est lancé, c'est bon, on est sur le match, c'est parti. Hein. C'est bon le son et tout. Merci beaucoup. Donc voilà, alors on est du côté des Imaginaries. Donc bon, alors, il y a un bac côté église. Alors faut juste que je me remette. Hein. Déjà, ils sont ils viennent déjà de se manger un point dans la tronche. Le drapeau est déjà pris. Rain qui va essayer de couper la route qui s'est habitée par Angel. Voilà, le respawn est trop loin. Peut-être Scorpion VS Unique qui va sauver. Et non, il s'est tué. Voilà, il y a déjà deux pour les. Pour l'imaginary. L'imaginary qui pousse hein, face qui fait deux pistes. Qui essaie de pousser middle. Kick my house, génial. Qui est couloir middle, qui essaie de pousser. Qui a réussi à pousser les Blazer qui pousse. Voilà. Scorpion qui s'est évité. Le duel. Run contre Fusax. Run qui le gagne, qui occupe toute la place gauche. Ouais, désolé, désolé. Je dis pas la manier l'ordi, le micro et tout. Donc bon, tout va bien. Face qui fait de pousser middle. Qui revient plutôt vers le musée. Le drapeau qui est pris, qui va essayer de la rater. Fusax le but. Rain qui va être top musée qui va essayer de le buter. Le drapeau qui est déjà très très loin. Unique. Ils ont arrêté le drapeau, ils ont arrêté. Scorpion Unique qui se fait stun. Qui est toujours l'escalier, qui survit. Le drapeau qui est pas encore posé. Oh là 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 là, magnifique, juste à la fin, à 2 cm. Le drapeau est sauvé, du coup il repart à l'attaque avec le drapeau ennemi. Fast qui gère le spawn kill. Scorpion VS Unique qui gère l'arrivée de son drapeau. Le drapeau est posé. Donc voilà, ils sont tous un peu au spawn. Ils vont réessayer d'attaquer. Oh là là, grosse attaque top musée. Avant qui va essayer de les avoir en stun. Scorpion VS Unique qui fait le double. Oh, le petit cut sur Kid Mayas. Fast qui a déjà pris le drapeau, qui passe une gueule, qui se fait stopper tout de suite par Fusax. Il le repose. Scorp VS Unique essaye de pousser, le drapeau ennemi est pris. Il est reposé directement. Scorp VS Unique qui essaye encore de le rattraper. Il fait un bon kill mid. Il pousse côté musée. Il se stoppe directement par Angel qui récupère le drapeau. Fast qui voit côté mannequin l'attaque. Il défend une bonne défense. 5 autres de Blazer. Scorp VS Unique qui essaye de défendre son drapeau, qui se fait tuer. Plus que 26 secondes et les Imaginaries sont derrière les headlines. Le drapeau qui est récupéré par Angel. Et du coup un 3-1. Qui fait plutôt mal pour un début de partie. Dommage, un éventuel bel headshot, mais loupé à 3 secondes de la fin. Donc voilà, un 3-1 pour les endlines. Ok, je me recule, désolé. Est-ce que ça va là? Je change d'équipe. Donc voilà, Angel qui passe du côté église. Ah maintenant c'est trop loin, bye. C'est le premier kill. Blazer qui a poussé. Maya single. Moins 2 chez les Imaginary. Kick Maya qui essaie de passer tunnel.
On voit que les Imaginary attaquent, hein. Ils sont un peu bloqués côté église. Online, Angela qui fait le double 6, le drapeau qui est pris. Fusax qui est. Oh là là, attention, peut-être le triple. Déjà 2-2. Le drapeau donc passe église. Kick Myers va, je pense, passer au top. Fusax qui fait un duel avec le drapeau. Le drapeau des Endline qui arrive à destination. Qui... suivi par Rain qui se fait buter. Voilà, Fusax qui démonte le drapeau vert. Voilà, un point. Ah non, toujours pas. Les drapeaux qui sont récupérés des deux côtés. Fusax est vachement coincé middle. Donc là, ça va être au duel. Blazer qui est coincé côté église. Il essaye de sauver son drapeau au maximum. Angel qui a vu le drapeau ennemi côté mannequin qui lui fait le double et qui va tenter de récupérer le drapeau. Le drapeau est récupéré et posé. Donc voilà, les endlines sont en tête sur tout le match. Rain qui pousse, qui se fait stopper par Blazer. Les origines ont des fans. Blazer qui voit le drapeau mannequin, qui essaye de le weak, mais qui le touche, qui le tue pas. Il récupère le drapeau, il part église. Il se fait stopper par Scorpion VS Unic. On a récupéré notre drapeau. Angel qui stun qui flash, qui récupère le drapeau pour tenter de passer middle. Pour le moment, il est tout seul côté middle et s'est arrêté par Fast. Blazer qui cover le drap. Oh, qui se mange un cut par Scope Best Unis. Qui fait. Le drapeau est récupéré, tout de suite arrêté. Sûrement repris. Kick Mayas qui fait un joli petit. Comme kill, on va dire. Qui va attendre le drapeau à son arrivée, qui et non, c'est Fast qui gagne le duel. Angel qui ouvre l'escalier, qui va essayer de sauver, qui n'arrive pas. Oh là là, Blazer qui tue à la dernière seconde, qui récupère le drapeau et qui prend le drapeau adverse. Oui, Kick My Ass est égal à GK. Blazer qui arrive à son spoon, à son drapeau. Flashé, qui s'est arrêté par face, qui fait le double. Donc voilà, le drapeau a été repris. Scorpion VS Unic qui récupère le drapeau. Angel qui fait un joli turn. Blazer qui va essayer de récupérer le drapeau. Il arrive, il va l'attendre. Il passe par en dessous. Oh dommage. Blazer qui est tué. Le drapeau qui est posé. Donc 2-1 pour les endlines. Il reste un total. 5-1. Donc un 5-1 qui fait mal. Voilà, 20 secondes de la fin, Fusax qui prend le drapeau. On a le drapeau ennemi. Qui s'est tout stoppé par Scorpion VS Unic. Angel qui tient, voilà, pour les 6 dernières secondes. Donc voilà, un beau match sur Lockdown. Donc la prochaine map, ce sera Underground. Mission accomplie, au travail.
Donc voilà, j'espère que cette première petite mise en bouche de la Four Winds Arena vous a plu. On va essayer d'enchaîner s'il n'y a pas de bug sur la Bapom Underground en SND. Comme prévu, un rebug. Je pense qu'on va y arriver à force. Hein. Je garde espoir. Non, en fait, c'est le switch qui déconne. Et on arrive mal à se connecter dessus, c'est tout. Donc voilà, encore une fois, on n'arrive pas à rejoindre. On essaye de rétablir, mais bon, le match a déjà commencé malheureusement. J'essaye tant bien que mal de me connecter. C'est bon, c'est bon. Alléluia, j'ai envie de dire. C'est bon, on est parti. Putain, c'est trop chaud de récupérer le commentaire sur une partie démarrée, mais bon. Voilà. Bon, désolé, on commence du côté N-line en défense. Après, je jouerai que les attaques, promis. Donc, ah, en fait, je vous annonce que c'est des petits coudons qui déconnectent les câbles. Voilà. Donc bon, deux attaques, un sur A, un sur B. La bombe est posée. Angel qui tue Reigned. La bombe est posée. Deux, Angel qui se fait tuer, donc la bombe A est défendue. Kika qui arrive par derrière, qui se fait repérer malheureusement avec son ACR. Plus que 21 secondes. Ça va être plutôt chaud à désamorcer. Un turn, c'est quand quelqu'un te tire dans le dos et que t'as le temps de te retourner pour le buter. Voilà. Kick my ass. Qui essaye de désamorcer, qui se fait tout de suite arrêter par face. Donc déjà 2-0. Hein. Voilà, j'essaierai d'inviter des gens pour commenter parce que toute seule, je suis pas sûre que ça vous amuse beaucoup. C'est quand même plus intéressant à deux, mais bon.
Donc voilà, on voit l'attaque des Henlines. Donc personne qui prend la bombe. Fusax qui va vers la droite. Tandis que les autres attaquent full B. Petite Mayas qui a pris la bombe. Toujours les greux et les flashs. Petite Mayas du coup qui surveille derrière lui. Blazer qui sécurise la bombe A. Angel qui resurveille le top hein, avec la CR. Blazer qui s'est fait qui tue oh là là, Scorpion. Donc voilà, deux handline pour trois Imaginary. Du coup ils décident de reculer, ils vont peut-être pas attaquer sur A. Je pense qu'ils vont se déplacer. Angel qui va passer le métro. Tu passes. Donc voilà, Angel qui essaye de jouer le brain. Mais bon, ils ont l'air un peu coincés les deux hein, au niveau de la bombe. Angel qui tue Scorp vs Unique. L'avantage donc au endline. Il décide de tous les de passer middle. Voilà, le dernier est là. Angel qui dit qui se replie en A. Donc Blazer essaye de pousser l'ennemi. Voilà, la cover va être faite par Blazer. Angel qui pose. La bombe est posée. Donc voilà, la bombe est posée. Blazer qui occupe le top. Angel qui est revenu middle. Blazer qui fait un petit peu de camp, mais bon, on ne dira rien. Donc bon, là, ce qui nous ferait rêver un peu et bouger un peu, ce sera un ninja des shoes, mais ça y est, le dernier jeu. Voilà, un endline qui récupère un point, donc ils essayent de remonter peu à peu. Nous voilà du côté Imaginary. Deux qui poussent en A. Trois qui poussent en A, pardon. Avec la bombe. Fast qui a pris le mid. Qui a stunt quelqu'un. Blazer qui fait le double. Scorpion VS Uni qui rattrape tout de même. Qui le stop. La bombe qui du coup côté A. Oh là là, Fusax qui met un coup d'ACR. Fast qui se retrouve tout seul contre 3. Les Imaginary se sont complètement fait coincer en A. Ils étaient attendus. Et voilà, Kit Mayas qui fait le dernier frag sur Fast. On est à 2-2. Donc voilà, on est du côté des Henlines qui poussent toujours sur A, donc en fait, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Oh là là, le cut de Scorpion contre Blazer. Fusax qui essaye tout de même de pousser. Waouh, une grenade qui a juste séché Fusax. Angel qui surveille. Le bac. Donc Kick Mayas a poussé à droite en essayant, en faisant un joli duel contre Fast. Donc, 2 contre 3 pour les handline. Angel qui tout le temps surveille le bac. Kick Mayas qui pousse. Donc peut-être pour mettre un bac côté A ou essayer de poser B.
Pour le moment, ils sont assez repliés, ils sont assez méfiants. À 2-2, ce serait bête de perdre l'égalité bêtement. Oui, pour la PS3, c'est un best of 5. Petite Mayas qui se retrouve middle avec la bombe. Il reste peu de temps. Tout près de B. Angel qui va essayer de maintenir le top pour le couvrir au top. Et Imaginary qui se montre pas du tout depuis tout à l'heure. Plus que 40 secondes pour poser. Angel qui se retrouve tout seul. Il récupère quand même la bombe. Et voilà, le dernier kill par Reind. Nous avons perdu, mais ce n'est pas terminé. Préparez-vous pour le prochain combat. 3-2 pour les Imaginary. Pour le moment, les Headlines ont gagné la première map. Changement de côté. Voilà, toujours les trois attaquants sur A qui poussent fast. Ah, ça y est, le reste est un peu plus agressif. Fast qui se fait toucher. Ils sont un peu trop collés tout de même. Scorpion vs Uni qui va essayer de tuer le petit emmerdeur du middle. Scorp vs Uni qui a la bombe. Fusax qui fait un petit coup d'ACR, qui fait le double, le 3 piece. Voilà, Reind qui se retrouve tout seul contre 4. Donc peut-être un full, peut-être pas. Ouais, 3 pistes de ouf, je suis d'accord. Reind du coup qui est tout seul, hein, je pense. Il est un peu paumé le pauvre. Ses trois attaquants sont fait buter en A, la bombe est en A. Voilà, Angel qui fait le dernier kill, on égalise à 3-3. Et cette map du tout, et cette side du coup qui est revenue à égalité. Prolongation. Ouais, c'est sûr, avec la pression, ça calme. Du coup, on arrive à 3-3. Toujours du côté des Imaginary. On a la bombe. Là, deux attaquants sur A, un middle. Top qui essaye de faire le kill, mais Fusax le tue. Unique qui tue Kick Mayas, qui se fait tuer par Fusax. Fusax qui fait une très très bonne partie. Angel qui tue Fast. Les Endline ont largement l'avantage. 3 contre 1 contre Reign encore. Et voilà, Fusax qui se fait tuer. On arrive à 4-3 sur cette map. Victoire de Endline. Du coup, 2-0. En espérant que l'Imaginary rattrape leur retard sur la CTF bootleg qui va suivre. Donc, pour essayer qu'on ait un petit peu un BO5 digne de ce nom. Même si ils se sont bien battus tout de même. Hein,
voilà, on est du côté des online. Il y a égalité, rompez. Bon, et on va recommencer, on va relancer. Ça c'est con pour une fois que on arrive à... On attend qu'il relance la partie. Voilà, la partie est relancée. On les rejoint. En espérant que cette fois, tout fonctionne jusqu'au bout. Donc voilà, promis, il y aura des invités après. Parce que c'est vrai que commenter toute seule, bah, c'est déjà pas amusant pour moi. Et puis pour vous non plus. Donc j'essaie de faire au mieux, désolé à ceux qui n'aiment pas. Mais en tout cas, merci d'écouter et puis de regarder le stream quand même. Donc voilà, on est du côté Imaginary. Voilà, beaucoup de rush middle, de rush banane, ils sont déjà stun. Blazer qui fait le premier kill, Angel qui fait le second. Moins 2 déjà chez les Imaginary. Rain qui voit Angel. Petite Mayas, petite Mayas. Premier. Angel qui passe. Qui récupère le drapeau. Et peut-être le double, hein, voilà, une super défense de Reind. Qui va ramener son drapeau tranquillement après avoir fait ses 3 kills. Scorpion unique qui démonte, qui casse les Angel. Zax qui le stop. Scorpion qui prend le drapeau. Qui est lâché tout de suite. Epic fail de Blazer. Non, non, il n'y a pas un... Scorp vs Unique qui couvre bien son drapeau. Angel qui fait le double. Alors, les attaquants ne passent pas. Blazer qui se fait directement arrêter par Scorpion. Puis Ice qui est middle, qui est autoroute et qui essaye de pousser. Fusax toujours autoroute. Voilà. Rund qui tient banane. Voilà, ils vont essayer de pousser banane, récupérer tout ce côté-là, mais non, ils sont arrêtés directement par les deux handline. Rain qui tue Blazer quand même. Il reste plus qu'un handline. Sur le drap. Voilà, il s'est directement arrêté par Fusax. Scorpion qui essaie de pousser, Fusax qui et Angel qui pousse banane. Voilà, un double de Angel. Voilà le 3 piece. Oh là là, les handlined. Pousse à mort. Donc voilà, il y a beaucoup moins de monde chez les Imaginary. Ils essayent de reprendre leur drap, toujours de passer banane. Tandis que les handlines ont. Le middle et l'autoroute. Voilà, les Imaginary qui se défendent tout de même, qui laissent pas attraper le drapeau. Rain qui pousse, qui s'occupe du spoon. Voilà, ils y vont à deux. Scorpion qui pousse. Voilà, il essaie de les baquer, et finalement il revient. Qui essaie de sécuriser banane. Voilà, les 3 inline contre eux. Blazer et Fusax qui passent banane.
Voilà, ils sont stoppés directement par Scorpion. Qui a pris le drapeau. Ouais, comme prévu, il passe banane. Faut s'occuper du spoon. Ce qui nous fait. Voilà. Rand qui s'occupe de banane. Voilà, le drapeau qui passe, qui commence à avancer. Ah, je viens juste à la fin, ce serait con de le pas le poser. Voilà, le drapeau est posé. Voilà, il y a du monde. Scorpion essaie de tempo pour sécuriser son drapeau pendant qu'il y a eu un relais. Les Imaginary se font stopper. Fast qui pousse, qui se fait tuer par Blazer, le drapeau te prie, par Kit Mayas. Le drapeau qui est pris, le Magnetic Single qui retourne banane pour stopper le drapeau. Toujours les stunts. Scorpion qui va directement sur le drapeau pour essayer de l'arrêter. Juste à la fin, il est arrêté. Arsène qui va le récupérer. Oh là là, une super belle action de Scorpion. Le drapeau au moins est volé. Voilà, il passe banane. 20 secondes, il reste largement le temps si la cover est bonne. Voilà, tous les postes sont occupés. Ça fait 2-1. Donc ils sont en tête pour ce premier side. Et voilà les Imaginary qui mènent cette capture de drapeau. On va aller voir du côté des Endlines. Donc voilà, toujours ce Blazer qui pousse Mike dans ma main. Voilà, il reprend 3 TP. Ils se font stun. Middle. Le middle qui est à peu près dégagé. Blazer qui regarde autoroute. Angel qui pousse. Qui est middle. Il sécurise le middle. Voilà, un super kill. Moins 2 chez les Imaginary. Voilà. Blazer et Angel ont poussé. Le drapeau ne va pas tarder à être pris. Il le ramène du côté. Le temps de faire le ménage. Et hop, du côté banane. Donc voilà, le drapeau il passe. Kuzak qui va essayer le cover avec Blazer. Voilà, le middle qui va être sécurisé par Blazer, ça y est, c'est fait. Il y a quelqu'un sur le drapeau ennemi, est-ce que Kitna va réussir à le poser tout de même? Voilà. C'est posé. Ils ont fait un super beau taf de défense. Une super cover. Mais Imaginary, ils sont pas contents et plus. Blazer qui s'occupe de la cover et qui se fait tuer par Unique. Un de les plus axes les venge. Moins 2 chez l'Imaginary. Les Endline qui peuvent récupérer, qui ont récupéré le monopole de leur drapeau, qui vont essayer de pousser. Le drapeau est récupéré. Blazer qui s'occupe du spawn kill. Voilà, le drapeau va passer middle. À deux doigts de le poser. Voilà, 2-0 pour les Endline. Voilà, 2 minutes 45. Il mène pour le moment tout le match. Une map de plus. Et il le remporte. Angel et Fuzak qui font une super défense. Angel qui se fait quand même déborder par l'autoroute avec Unique. Les Fizax qui vient en renfort. Voilà, Fizax qui reprend la banane. Blazer qui est un peu coincé par toutes les attaques des Imaginary. Voilà, il va aider
Fusac, banane, il pousse. La kick Maya qui est venue par le tourneau. Tir croisé sur Scorp vs Unique. Reigns qui défend son drapeau tant bien que mal. L-Line qui ont le monopole du drapeau. Super double de Blazer. Ça y est, le drapeau est pris par Blazer. Angel qui s'occupe de l'autoroute, du spoon. Fusax qui revient à son drapeau pour défendre. Le drapeau se fait récupérer. Il va être volé aussi par Scorpion qui se fait arrêter. Scorpion qui récupère. Qui va passer middle et qui va peut-être se faire stopper par Blazer. Voilà, Angel qui fait le double, qui récupère le drapeau. Kit Mayas qui prend le drapeau. Voilà, il passe middle. Isaac qui fait le kill. Il réussit son duel et il pose le drapeau. 3-0 à 40 secondes. Donc voilà, on peut, je pense, les féliciter déjà de leur match. Imaginez qu'ils se sont tout de même bien battus. Surtout sur le premier side. Petite Mayas qui pousse autoroute. Le drapeau qui est repris par Blazer qui passe middle encore une fois. Voilà, les N-Line sont sûrs, ont réussi leur ligne de défense, les Imaginaries sont un peu pincés. Mais ils récupèrent tout le monde le drapeau. Et voilà, c'est Isaac qui sauve l'honneur. Voilà, une jolie victoire des N-Line. Normalement, le prochain match, ce sera sur Xbox. Et j'espère que j'aurai un poteau pour commenter. Et donc voilà, merci à vous qui nous avez suivis. On essaye d'enchaîner assez rapidement les matchs. Et bon, tant que les problèmes sont résolus déjà, c'est déjà ça. Donc au revoir et puis à tout à l'heure. Hey.